Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit de la marque Xiaomi. Alors avant de commencer, je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que tous mes amis le savent, je suis un Xiaomi fanboy. Je le reconnais et je l'assume parce que franchement, depuis quelques années que je connais la marque, je n'ai jamais été déçu par la qualité de fabrication, par tout ce qui va avec. Donc, déjà pour commencer, ils font d'excellents produits de superbe qualité. Et pour le prix, franchement, on ne peut pas trouver sur le marché actuel des produits avec un si bon rapport qualité-prix. Donc là, on est tous d'accord sur ce point. Le deuxième point, je suis désolé pour la qualité de cette vidéo, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Et si vous voyez la configuration avec laquelle je suis en train de filmer en ce moment, vous serez mort de rire. Bon, passons. Donc le produit de ce soir. C'est un kit de tournevis. Oui. Donc, comme tu peux le voir sur le logo, ça, ce petit logo qui ressemble à une tête de chat, c'est le logo de la sous-marque Mijia, qui appartient à l'écosystème Xiaomi, entre guillemets. Weha. Apparemment, c'est un fabricant allemand spécialisé dans l'outillage, les tournevis, les pinces à gaz. Normalement, c'est les bricoleurs qui connaissent cette marque. Donc, ce produit, c'est le fruit d'une collaboration, si j'ose dire, entre ces deux marques. Et le résultat, franchement, c'est un super produit de très très bonne qualité. Donc, le boîtier, il est comme ça. Voilà, je vous le montre de tous les côtés. Warning, disconnect power before using. Là, il parle pas du boîtier des tournevis. Hein. Il parle de l'appareil que tu vas désassembler avec ça. Le boîtier, il ressemble à un power bank. Il est fermé de tous les côtés. Après, il y a une sorte de clip. On fait comme ça, tic. L'ouvrir. Sinon, il reste permanent, fermé en permanence. Donc, on trouve à l'intérieur des tournevis, le tournevis, le fameux tournevis, le fameux tournevis. Je vais le sortir et le montrer en détail. Si l'appareil photo veut bien de faire la mise au point. Donc, en fait, la finition, elle est. Bon, mis à part qu'elle soit nickel, parfaite, parfaitement ajustée. Là, on respire la qualité de fabrication allemande. Tout est ajusté au dixième de millimètre près. C'est très agréable au toucher. Ça ressemble un peu à de l'aluminium anodisé. C'est vraiment quelque chose de très agréable à toucher et à utiliser. Oh, la mise au point. Bon, ça c'est le tournevis. Et ça, c'est les têtes de rechange. Il y en a de toutes les couleurs. Normalement, il y a tout ce qu'il faut pour démonter n'importe quel appareil électronique moderne. Parce que c'est justement fait pour ça. Les smartphones, tablettes, consoles de jeux, appareils photo. En fait, j'ai même démonté mon caméscope avec. Il n'y a même pas un mois. Donc, toutes les têtes de rechange, elles sont magnétisées. Ce qui veut dire que donc les têtes, elles s'accrochent au tournevis avec un système magnétique. Tac. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tac.
Et en plus de ça, normalement j'ai laissé une petite vis ici pour faire la démo. Si elle veut bien sortir. En plus que ça, donc même les vis, on peut l'accrocher magnétiquement. Et voilà. Elle bouge plus. Ça, je trouve ça super pratique. Lorsque tu dois remonter une petite vis dans un endroit assez profond, c'est vraiment super pratique. Mais ça, c'est rien du tout. C'est pas vraiment un luxe, quoi. Le vrai point fort de ce produit est la robustesse et la durée de vie. Je me suis renseigné par rapport à ce produit. Apparemment, il est fait avec une sorte d'alliage qui fait en sorte qu'il ne s'use pas. C'est-à-dire, après de fortes utilisations intensives, on dévisse, on visse, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Si on force trop sur les petites têtes de vissage, normalement c'est sur des tournevis bas de gamme, genre à 5 euros, 10 euros. Avec le temps, le métal ici, il va se casser, il va se briser. En gros, il perd de la matière jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Là, on voit bien des marques d'usure. Mais en fait, c'est juste la peinture qui s'est enlevée. Mais je peux vous assurer que maintenant, ça fait presque un an que je m'en sers. Il a quasiment perdu zéro matière. Toutes les têtes de rechange, elles sont signées 8A. Faut bien trouver ça sur le produit original. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des contrefaçons des produits comme ça, non originaux, sur AliExpress. On en trouve même à 10 euros. Mais ce sont des faux produits. C'est une contrefaçon, une imitation. Ça, c'est, normalement, ça, c'est la référence. Enfin, je suis pas un grand bricoleur, mais normalement, ça, c'est la référence de cette tige-là. Donc, je vais essayer de faire une petite démonstration pour montrer un peu. Ça, par exemple, cette vis, je me suis toujours demandé avec quel genre de tournevis on peut ouvrir ça. Jusqu'à ce que j'ai acheté ça. Normalement, on peut l'ouvrir avec celle-là, je crois. Je vais tester. Peut-être la plus grosse. Non, non, c'était bien celle-là. Donc, voilà. Tip top. Toujours avec la petite tête mobile en haut pour donner plus de confort. Voilà. Mise au point. Mon connard de téléphone, il se montre parfois très capricieux sur la mise au point. Il est comme neuf. Voilà. Donc, je vais fumer un peu. Une minute. Fallait pas me chercher. Donc, on revient. Je disais, ça, c'est le meilleur petit kit de tournevis que j'ai jamais testé. Bon, en même temps, j'ai pas testé beaucoup de tournevis, mais
Franchement, il est d'une superbe qualité. Le prix. C'est vraiment pas cher, je regarde. Ça coûte à peine 27 euros. 27 euros pour un kit de tournevis qui est supposé durer des années. Et je peux vous assurer qu'il durera des années. Parce que comme je suis bricoleur, j'ai déjà testé des kits de tournevis à 10 euros et moins que ça. Avec mon utilisation personnelle, ça tient même pas un an. Tu vas payer avec ça des tournevis trois fois plus cher. Mais je t'assure que ça ne va pas durer seulement 3 années. Ça va durer 10 à 20 ans. Donc on est toujours gagnant. Un produit comme ça, qu'est-ce que j'aurais à lui reprocher? Honnêtement, ça fait des mois que je réfléchis, j'ai rien trouvé. C'est du sans faute. C'est vraiment du sans faute. Ah oui, peut-être. Il y a un petit défaut. J'ai une petite rayure ici. C'est le seul défaut. Je l'irai au bout de 6 mois d'utilisation. Franchement, il faut être raisonnable, les mecs. Ça, c'est le kit de tournevis que n'importe quel bricoleur doit en avoir un dans sa boîte à outils. Point. Je vais te mettre le lien dans la description pour ce produit. Ça se vend sur Amazon. Tu n'as qu'à le commander. Si tu as des questions, si tu es hésité, tu peux me poser des questions comme d'habitude. Je répondrai. Et bien sûr, ne sois pas radin. Si tu as trouvé ma vidéo utile, ne serait-ce qu'un tout petit peu, un petit pouce bleu, ça prend qu'une seconde. Et puis abonne-toi à la chaîne. Je suis vraiment un fan de la marque Xiaomi. Et dans le futur, il y aura une tonne de vidéos sur des produits comme ça, de la marque Xiaomi, des produits que tu connais même pas et qui existent. Donc voilà, je te dis à bientôt. Salut!